Salut à tous, très chers amis, ici le Burger et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu totalement nouveau. Donc c'était le jeu que je vous avais parlé sur ma page Facebook. Donc sur Outlast, un jeu apparemment d'horreur. Donc on va voir. Scène de violence, hein, tâchez de rester en vie. Oui, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Bon. Donc ce jeu est sorti il n'y a pas longtemps via la plateforme Steam, si je ne m'abuse. Donc c'est un jeu qui m'a attiré assez bien quand même. Au niveau du gameplay, ça m'a l'air pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Il faut savoir que je joue avec un casque sur les oreilles et le son à fond. C'est rare que je fais ça parce que d'habitude j'aime pas trop ce genre de jeu, surtout avec la musique à fond. Enfin, je veux dire le son à fond. Donc on verra bien ce que ça donne. Certainement que je vais crier comme une fillette, mais bon, c'est les aléas malheureusement. Donc nous voilà à l'asile. Super. Ça promet. Voilà, monte massive, asylum. Donc si vous avez déjà vu les films REC, il faut savoir que ça se joue à peu près pareil. C'est vu à la première personne, mais il y a une caméra avec un mode de vision nocturne. Ce qui fait rendre encore plus les boules, on va dire. Hein. Donc voilà. Ouais. Le frein, toujours important. Dans votre voiture se casse et vous courez après. Confidentiel. Mission de la semaine. Ok, bon, on va pas s'amuser à lire ça. On verra déjà bien. La fameuse caméra avec le mode de vision nocturne. Coucou. Tout fonctionne, test 1, 2, 3. C'est bon, nickel. Même le zoom. Magnifique, que demande le peuple. Et voilà ce fameux mode de vision nocturne. Ce qui va, à mon avis, nous foutre plus les boules qu'autre chose. Mais bon. Donc déjà au niveau du décor, c'est assez sinistre. Donc les objectifs sont mis à jour dans votre carnet tab qui contient aussi vos notes et les documents repérés. D'accord. Juste baisser la sensibilité de ma souris. Voilà. Désolé pour cette petite chose. Donc on est parti. D'accord. Ok. Ceci. Faut savoir aussi que dans ce jeu, je l'ai déjà essayé, bien sûr. Hein, je commence pas, donc c'est pour ça que je sais où faut aller, comme par hasard, hein, comme de par hasard. Je préfère pas vous mentir. De toute façon, à quoi ça vous servirait que je mente? Bon, bloqué par un buisson, c'est gentil. D'accord. Donc, visiblement, on peut aussi zoomer le caméscope. Ok. Je sais pas par contre si c'est un effet du jeu, le. On dirait un genre de film. Genre de filigrane en fait sur l'image. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est mon PC qui fait ça. Je pense pas que ce soit le PC, mais bon. On verra bien. On va pas faire le con. D'accord. Ok! Ça commence bien, donc la lumière vient de péter, c'est magnifique. On va essayer de pas trop user le au niveau de la caméra, la batterie, parce que j'ai vu. Ah, si ça commence comme ça, on a un peu fini. Au niveau de la batterie, ça, à mon avis, il va falloir chercher des batteries. Ok, et là, d'accord. Donc on peut visiblement se faufiler, ce qui est plutôt pas mal. Bonjour. Quoi donner? D'accord. Donc c'est les piles. D'accord, on peut appuyer sur R pour la changer. C'est ouvrir. Oh, téléphone. Téléphone sonne. Wow, bon, les dossiers confidentiels, on passera outre. Hein, je pense pas que... Oh! Putain. Restez calme. C'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. Bon appétit. Bien entendu. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Vu que par là y'a rien. On va regarder quand même. Non, y'a rien. Comme de par hasard.
Oh! Tu fais quoi là? Bon, c'est monsieur qui était dans les toilettes. Cherche-t-il peut-être du papier, quelque chose? Je ne sais pas. Et je ne saurai jamais, précisément. Ok. Quelle seule porte? Je suis désolé. Je vous l'ai dit, ça va être comme ça assez souvent, je pense. Toi, je te sens pas venir. Ah, mais c'est dégueulasse. J'ai eu un léger. Ouais, peut-être que j'enlève la caméra par contre. Ça peut être pas mal. Bon, apparemment faut se faufiler. Salut. Non, 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 non. C'est quoi ça? Wow. D'accord. Et bien sûr, nous avons un psychopathe qui chante. Bien entendu. What the fuck. Ouh, t'es pas beau. T'es vilain. Mais toi qui es-tu déjà, hein? Espèce de moche. Déjà. C'est pas que je veux pas, mais bon. Oui, d'accord. C'est pour ça que tu me laisses en vie, peut-être. Attention. D'accord. Et là, c'est le moment où je me relève. D'accord. Bon. Fuyez l'asile, accéder au local de sécurité pour débloquer les portes principales. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bonjour. Oh, toi, t'es mort. Un dossier, bien entendu, comme par hasard. Les dossiers. Proclaim the gospel. D'accord. Bonjour. Joli feuillage. Je sais pas s'il y a des choses à ramasser, je pense pas, ça doit être assez vide. Oh, du sang! Là! Ah, ça par contre, c'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir les traces de sang qui vous suivent, je sais pas par contre si ça va. Si ça va permettre trop au débile mental, c'est le cas de le dire. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Oh, excite. Cours, sort. D'accord. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Mais franchement, s'approcher tout doucement. Et en plus, il bouge. Chut, 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 chut. Reste à ta place. Ouh, t'es vilain. Wow! D'accord. Ouh, t'es vraiment pas beau. Je sais pas ce que t'as chopé, la gangrène ou autre. Je sais pas du tout. Mais franchement, t'es pas beau du tout. On voit rien ici. Couper la caméra. On se voit par la fenêtre. Rien du tout. Ok. Bon, je pense que. Voilà. Le badge dont il parlait, c'était celui-là. Par contre, ce petit bruit ne me rassure pas. On va essayer de... Je pense qu'il faut repasser. D'accord. Hop. Voilà. Mmh. T'es encore là, toi. Bouge, bouge, bouge. Non, non. Ah. Ah, bouge. Eh non. Allez, dégage. Couchez, couchez. Sale bête. Hop. Vous pouvez jeter un coup d'œil derrière vous en appuyant loin sur A ou c'est quoi ça? Ah, c'est. Ah, alors ça, franchement, c'est pas mal. Oula! Coucou, je suis juste de passage, c'est gentil. Ouh, des intestins.
Bon appétit. T'es mort, toi t'es mort, et des mouches. Ouais, d'accord. Je vous dirais pas que je tremble sur ma chaise, mais c'est pas. Oh non, des toilettes. Ouf, tout, 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 tout. Bonjour. Oh, une main. D'accord. Moi, y a rien. Avancer. Hein. Sécurité. Certainement là que je vois. On va faire le tour des bureaux. On va sauter comme un porc. Ça n'a servi à rien. Confidentiel. C'est pas que je veux pas, mais je pense pas aller voir à la porte où l'autre malade est rentré. On va tout de suite aller à la sécurité. Badge bip. Sécurité. Toi, reste couché, toi. Reste couché. Bon, voilà. Alors certainement qu'il va se passer quelque chose, je pense, je sais rien, ça m'étonnerait, ce serait trop beau pour qu'on en reste là. Bien sûr, bien entendu, qu'est-ce que je disais? Hein? Oh, voilà, notre one. Oula. Non, là c'est pas cool, mec. Nouvel objectif, redémarrer le groupe électrogène. Oula. Cachez. Cachez-vous dans le vestiaire, n'essayez pas de vous battre. Ok. Chut, chut. Bouge plus. Je vois pas pourquoi je fais chute là. Personne. Oula. C'est notre copain, le gros moche de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Petit cochon. Mais oh. Tout tas de pute. Ah, tous tas de pute. D'accord. L'air sympa, toi. Bonjour. Non, 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 non. Non. Reste là. Reste là, t'es pas beau. Reste là, t'es pas beau, je te dis. Non. Non. Ouf. Je pense pas que je puisse sortir. J'ai pas vu ce qu'il y avait au fond du couloir, personnellement. Parce qu'il faudrait que je change de casier, j'en sais rien. On reste là. S'il revient et qu'il me trouve dans le casier, je suis pas dans la merde. Bon. Sortir. S'approcher tout doucement quand même, on sait jamais. Porte. C'est ouvert. Ah, le bureau où j'étais tout à l'heure, n'importe quoi. Et au fond du couloir, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Y a rien non plus. Bon, on va essayer de remettre à route le compteur électrogène. Est-ce qu'on peut sortir? Non, bien entendu. Va faire foutre. Bon. Bon, y a rien derrière moi. C'est déjà ça. Oula. Oula. Ah non. Par la porte de tout à l'heure. Oh, il fait noir. Ouh, c'est vilain que j'aime pas ça. Est-ce ouvert? Non! Bien entendu! Je sais pas quand il fait noir comme ça, c'est énervant. Peut-être éteindre la flashlight, parce que je sais pas si ça se consume malgré que la caméra est éteinte. Comme par hasard, ça c'est ouvert maintenant, bien sûr! Eh, il y a un putain de canard! Oh là là! Entre le mur. Me rassure pas trop tout ça. C'est pas que je veux pas, mais. Non, non, pas la batterie, non. Me lâche pas. C'est quoi ce bruit de malade? Salut. On va se mettre dans le noir. Avancer tout doucement, on sait jamais. Je suis pas tout seul.
C'est pas très rassurant. Je vous l'accorde. T'es où, salopard? Oula. Ah, pendu. Activez les deux pots pour démarrer le disjoncteur. Oh, toi t'es mort, c'est bon. On va changer la pile tout de suite. C'est le mieux qu'on aura à faire, je pense. En sachant que j'ai pas énorme de piles. C'est magique. C'est fantastique. Bon, on va essayer d'ouvrir la porte. Oh. Oula, ça c'est pas bon ça. Oula! Ouais, non. Bon. Bah écoutez, très chers amis, je pense qu'on va se quitter là et se retrouver pour un prochain épisode de Outlast en espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, salut!